la nuit des temps, les armées des cieux et des enfers se livraient une guerre sans fin. Le Conseil Ardent se retrouva mêlé au conflit. Cette entité tenue par d'anciennes lois pour maintenir l'ordre et l'équilibre statua que toute grande puissance non maîtrisée constituait une menace contre l'univers. Avec le temps, les cieux et les enfers honorèrent le Conseil et ses lois, car nul ne pouvait échapper à la prompte et terrible justice des envoyés du Conseil, une redoutable confrérie connue comme les Quatre Cavaliers. Dans cette agitation, les premiers humains apparurent. Le Conseil pressentit que ces créatures faibles mais rusées constituaient un élément essentiel de l'équilibre. Ainsi, un troisième royaume fut créé, le royaume des hommes. Sur ordre du Conseil, une trêve fut conclue entre les cieux et les enfers. Le grand pacte fut marqué de 7 sceaux, qui ne devaient être brisés qu'au moment convenu, quand le royaume des hommes serait prêt pour la guerre ultime, le combat qui rétablirait l'équilibre et déterminerait le sort ultime des 3 royaumes.
approche. Le cavalier approche.
briser. Tout comme tu l'as été, cavalier. Vos accusations. Les sceaux ont été brisés. J'ai été appelé. Alors où sont les autres cavaliers? Ne devraient-ils pas avoir été appelés? Les sept sceaux sont cachés. Depuis le moment où le pacte a été conclu, il y a une éternité. Tout c'était un pacte. Personne n'a été appelé. Vous avez aidé les forces des ténèbres. Vous avez brisé un contrat sacré qui a condamné l'humanité et qui a mis en péril l'équilibre. Le niez-vous? Quand je suis arrivé, les cieux et les enfers étaient déjà en guerre. Abaddon était là. Il savait quelque chose. Abaddon est tombé en combattant le chaos que vous avez déclenché. Je me suis battu impuissant face aux démons. Et pourtant, vous m'accusez? Votre défaite ne prouve rien. Le Destructeur vous a probablement laissé tomber quand il en a eu fini avec vous. Vous avez profané la loi, cavalier. Vous devez être puni. Je ne suis au service que du Conseil. J'œuvre pour l'équilibre. Il en a toujours été ainsi. Renvoyez-moi. Je veillerai à punir les coupables. Comment ? Quelle est votre chance face aux armées du Destructeur? Vous êtes impuissant! Alors j'échouerai, et les démons auront mis votre sentence à exécution. Très bien. Nous allons vous renvoyer sur Terre. Mais nous garderons un œil sur vous. Approchez.
les âmes des morts seront votre monnaie d'échange. Certains ennemis sont plus faciles à acheter qu'à tuer. Depuis quand le Conseil traite-t-il avec les démons ? Depuis que la trêve a été rompue, certains démons ont été bannis par le puissant destructeur. Vulgrim fait partie de ceux-là. Il nous réclame une audience depuis longtemps. Depuis combien de temps suis-je ici ? N'a pas été très plaisant. Passez vite, cavalier. Jusqu'à nouvel ordre, je suis ton seigneur aimé. Quand je dis à boire, tu as boire. Quand je dis assis, tu t'exécutes illico. Et si je dois te punir, tu n'as pas intérêt à montrer les dents. C'est clair. Je devrais peut-être t'apprendre à faire le mort. Brave bête. Thank you.
longtemps, j'étais absent. Autant t'es rien. Environ 100 ans. Assez longtemps pour qu'il n'y ait plus âmes qui vivent par ici. Alors, le troisième royaume est perdu.